T'aime. T'aime aussi, chérie. Ne mange pas le fil. Les ronces, l'ennemi des vêtements. On commence ce nouveau vlog dans ma forêt aujourd'hui. C'est une magnifique journée d'automne. Et j'ai revêtu mon habit camouflage pour m'intégrer au mieux avec le paysage. Nous sommes quasiment au fond de ma forêt. Il y a encore un énorme dénivelé derrière que vous ne voyez pas qui donne sur des ruches. Quoi de mieux de commencer ce vlog parmi les arbres. Le seul point noir, ce sont les chasseurs qui n'arrêtent pas de tirer. Depuis ce matin, je me méfie quand même parce qu'ils sont pas très loin de nous. Dans cette partie de la forêt, il y a les biches, les cerfs et les daims qui viennent coloniser très très souvent notre jardin. Alors bon, j'espère qu'ils vont être prudents. Je vous avoue que c'est pas quelque chose de rassurant en fait d'avoir des chasseurs à côté de chez soi. Après, faut pas... Faut pas devenir parano non plus, mais un accident de chasse est vite arrivé. Ah mais non, mais dis donc toi, vilaine ronce. En tous les cas, aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce qu'on va faire avec le tatoué. Nous n'avons pas le droit de couper les arbres, heureusement, parce que ça serait un sacrilège. Mais par contre, on doit entretenir la forêt, c'est une zone naturelle protégée. On a acheté la maison en toute connaissance de cause. Nous avons quand même du ménage à faire, notamment dans notre jardin. Comme le tatoué était fort peu équipé, je suis allée sur internet, j'ai pris la tronçonneuse la plus puissante, une style thermique. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu de ménage. Alors, je vous avoue que le tatoué n'est pas forcément très rassuré par cette tronçonneuse, qu'il n'a pas spécialement de formation de bûcheron. Donc, écoutez, j'espère que ça va aller. Ah ! Je suis encore accrochée. Vous voyez par exemple ça. Ce sont des grosses branches que je pourrais emmener et brûler dans la cheminée. Là, nous sommes dans la partie qui est derrière l'ancien terrain de tennis. Ici, je trouve que ces sapins, ils prennent beaucoup trop de place. En fait, de base, c'est une chênaie. Et vous remarquerez que les chênes qui poussent au milieu de ce sapin, bah, sont morts, en fait. Et ça me plaît pas. J'avais vu qu'il y avait des jolis champignons. Tiens, les cyclamens. Ici, on a un énorme tapis. Bah, c'est nouveau, ça. Ah oui, je crois savoir. En fait, ici, il y avait un tas d'ordures très très moches qui avait été enterré par les anciens propriétaires. Bravo. Et du coup, on a tout nettoyé, tout mis à la déchetterie. Et depuis, ça a été colonisé par les cyclamens. Donc, bonne nouvelle. C'est là qu'on se dit quand même que la nature laisse rarement un espace vide. J'ai plusieurs passions dans ma vie. J'ai la musique, j'ai le dessin, j'ai l'art en général. Mais j'aime bien aussi la photo, le montage, la vidéo, tout ça, ça m'intéresse. Mais la nature me permet d'être en contemplation. La nature me permet d'être spectatrice. Alors que quand je parle d'art et que je pratique l'art, je suis plutôt actrice. Mais devant cette magnifique ode à la vie qu'est la nature, eh bien je ne peux rien dire. Je suis tout le temps béate de voir à quel point sa beauté est sans limite. C'est jamais de gaieté de cœur hein, qu'on fait tomber un arbre. Ces arbres ont été plantés pour pomper l'eau d'un puisard qui n'existe plus. Raison supplémentaire, les racines de ces peupliers sont envahissantes et menacent en fait tout simplement la descente de garage goudronnée que nous avons derrière qui commence à se soulever. Et ça, c'est vraiment pas top. Regardez au sol, les racines sortent. Raison supplémentaire, le troisième peuplier est mort. Donc là, il va falloir le faire sauter. Non mais la batterie, elle est derrière. Bon, bah, ça commence mal. Parce que le tatoué a coincé la tronçonneuse dans l'arbre. Voilà, voilà. Oh
Il a bougé, hein. Va réussir à le faire tomber, on va dire. Maman, répond pas qu'il faut dans les rouges. Dire. Ouais, c'est un signe. Toi. Parce que sinon, Pompette... T'as craqué ton jean. Ah bah c'est original quand même. Il y a E.T. E.T, téléphone, maison. On sort, on va chez des amis. Donc ce sont des amis qui habitent un petit peu plus haut dans notre village. Ils ont construit une maison en bois à l'époque où on a aussi construit nous notre ancienne maison en bois. Pompette. C'est bon, Pompette, hein, dis donc. Donc ce soir, on va aller manger chez eux. On a un apéro avec d'autres amis d'ailleurs. On se retrouve là-bas, donc c'est quand même super pratique. Bah Emma et Guillaume. Ah, avec leurs enfants. On va ramener de la bière et du saucisson. Bon allez, on y va, on se motive. Les filles, les femmes au saucisson et les garçons à la bière. Ah ouais, je prendrais bien le whisky. Allez mon t-shirt, c'est parti hein, parce que on a de la route, c'est juste à côté. Baby, on est arrivé. Ouais bah oui, c'était pas loin hein. Ah bon, laquelle? Ah, il y a une époque con où il passait n'importe quoi après tout. On est bien, il y a une espèce de truc comme ça, tu vois, ils font avec les points, là, voilà. C'est un iPhone 10. Et si on approche? Il est vraiment chouette. C'est des GI américains pendant la guerre en Vietnam, et ils les ont améliorés justement pour faire leur grillade. Toi tu vas avoir le côté grillé et le côté tendre aussi exactement. Toi tu fais des pizzas ou de la pizza parce que ça chauffe à 500 degrés. Bientôt, je vais remballer toute cette jolie petite déco d'automne. Je vais installer les décos de Noël et ça, c'est super. Alors, Pompette ? Après, je suis pas fatiguée de voir toutes ces jolies petites décos d'automne. C'est juste que... il sera temps de passer à autre chose. Pompon ? Encore une dure journée qui s'annonce. Programme du jour, dormir sur le canapé, faire caca... et prendre l'air 2 minutes. Coucou, on fait un petit aparté dans ce vlog. J'ai reçu plein de produits ces derniers temps. Bon, je sais pas si c'est parce que j'ai les dents jaunes ou quoi que ce soit, mais il y a 2 marques qui m'ont contacté pour des kits de blanchiment dentaire. Alors ils sont bien mignons, 3 jours après ils me disent vous faites la vidéo. Pour savoir si ça marche, il faut peut-être que je teste sur le long terme quand même. Bon, alors j'ai reçu de chez Amazon... Ah, raté. Alors, c'est un système de blanchiment dentaire qui ressemble à ceci. Je découvre en même temps que vous. C'est quoi? Oh là là, j'aime pas les notices.
Faut faire quoi? Bon, alors, nettoyer la bouche et le plateau dentaire, aromatisation, appliquez à l'aide de gel blanchissant le plateau touche les dents, mettez la matière dans votre bouche, appuyez sur le bouton de démarrage pendant 10 minutes. Effet blanchissant, combien de temps on fait ce truc tous les jours de la vie? Je vais tester. Donc ici vous avez un camaïeu, en fait, de couleur de dents. Bon, aujourd'hui, mes dents sont comme ceci. Où j'en suis? C'est pas facile de parler avec le sourire à la bouche, spéciale dédicace aux Miss France. Je regarderai où j'en suis sur la couleur, où j'en arrive et je vous donnerai un update. Deuxième traitement de blanchiment dentaire, c'est ça. Alors, appliquez une ou deux fois le correcteur sur votre brosse à dents. Brossez vos dents normalement, rincez la bouche. Donc ça, c'est plus un dentifrice en fait. Alors, si je fais les deux en même temps, je vais pas savoir lequel a été à l'origine de ma blancheur de dents. Deuxième produit, mousse blancheur. Deux applications suffisent pour éclaircir votre sourire. Apparemment, c'est plus un produit immédiat. Bon, écoutez, je vais essayer tout ça. Je vous en donnerai des nouvelles. Allez, la suite. J'ai reçu cette gamme de produits. Coucou Elena, nous sommes ravis de collaborer avec toi et de te faire découvrir notre gamme Jailor. Tous nos soins sont 100% fabriqués en France et contiennent de l'or 24 carats. J'espère que les produits te plairont. Prends soin de toi, Mélanie. Bon, le petit mot est quand même vachement sympa, c'est rare quand même quand on a des collabs et qu'il y a un mot personnalisé. Dans un premier temps, on a ça, c'est un petit bandeau en fait pour protéger les cheveux. Pompette. Bon là les amis, on est parti sur une routine totale. Hein. Je vous mettrai pareil tous les liens en barre d'infos, mais c'est pareil, ça il faut que je teste. Hein. Je peux pas vous dire c'est génial, c'est pas génial. On va essayer. Mousse visage détox, imprégné d'or 24 carats. Masque visage détox imprégné d'or 24 carats. Et là, exfoliant visage imprégné d'or 24 carats. Ici, nous avons un pinceau doux. Et on termine avec un troisième paquet. Alors, ce n'est pas du tout la saison, mais alors du tout. Ce sont des maillots de bain. Qui sont fabriqués 100% en plastique recyclé des océans. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est 0% carbone. Alors, c'est un maillot qui est multicolore, comme ceci. Je vous mettrai des photos en incruste. J'ai pris un modèle arc-en-ciel parce que je me suis dit waouh, pourquoi pas. Le dos est ouvert comme ça. Et alors attention les amis, j'ai pris une taille L. Et j'ai reçu un deuxième qui ressemble à ça. Bon, je prends que des une pièce. Hein. Maintenant, je m'embête plus. Celui-ci est vraiment très sympa. Et je l'ai trouvé adorable en fait. C'est surtout la couleur que j'aime beaucoup. Le violet et le rose mélangés avec des roses. Mes deux couleurs préférées, plus pompon. Oh mon pompon d'amour. T'as vu mon nouveau maillot de bain? Ouh là là, tu le trouves joli? Et toi t'es tellement gros que maintenant tu pourrais mettre mon maillot. Hein. Je vous mets tous les liens bien sûr en barre d'infos. Et ça y est, on a terminé notre petite présentation de produits. Reprenons une vie normale. Vous montrer la chambre d'Emma toute vide vu qu'elle a emménagé. En bas ça résonne beaucoup et là il y a quoi? Il y a un chat qui met le bazar. Et ici nous avons les boîtes de Lego du tatoué quand il était petit. Ce sont des Lego des années 80. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Il y en avait beaucoup, il était très gâté celui-là. C'est là qu'on peut remarquer cette jolie tapisserie qui moi me plaît pas mal, enfin je la trouve chouette. Sauf que voilà, ce sera la chambre de Marius. Par contre, vous pouvez admirer cette merveilleuse, horrible tomette. À moitié rose quand même. On est dans une chambre, donc ça veut dire qu'ils ont mis quand même du carrelage par terre. C'est vraiment pas très 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 cosy. On a quand même envie de tout changer et de mettre le même parquet que dans la chambre d'Emma en bas qui est très 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 beau. Est-ce qu'on peut avoir autre chose que deux chats mal élevés pour présenter la chambre? T'as l'air aimable, compète. Toujours très élégant. Hein. Allez, Pompon, on sait que tu vas lui sauter dessus, alors vas-y maintenant.
Alors oui, je pourrais parler de ce petit bouboule, notre petit lapin, mais moi, aujourd'hui, je vous parle de cet arbre flamboyant. La caméra ne rend pas hommage à la beauté de son plumage, ou plutôt de son feuillage. Cet arbre est noir en été, vert tendre au printemps, flamboyant en automne et déplumé en hiver. Ouais. C'est vraiment bien de faire le ménage au fur et à mesure. Ça va, tu viens pas m'aider? Vous avez bien travaillé. On a drôlement de la chance, il y a déjà des petites boules rouges. Ça, ce sont des jolies petites herbes aussi que l'on peut couper pour Noël et les bomber avec de la peinture dorée. On va couper là. Ah. Ouais, ça y est. Elle est belle, hein, il y a plein de petites boules. Et voilà. Eh ben, c'est pas mal, mon chat. Ah, ça pique. Et là, il y a un petit escargot que j'ai trouvé, il fait que de baver. Oh bah c'est normal, c'est un escargot. Et je lui donne des fleurs. Je vais juste une cabane pour lui faire plaisir. Tu peux pas réussir à jouer. Vas-y, lâche. Ouais, qu'est-ce que je disais? On a un journaliste. Pompette, montre-moi tes jolis yeux. On a de la chance, on a un petit rayon de soleil. Petit coup d'œil sur ce joli noyer, et pas ce joli chat. C'est un noyer qui a maintenant 5 ans, mais j'ai réussi à avoir une noix cette année. Et comme c'est la première, c'est quand même important de le souligner. Bah, je sais pas quoi faire. Je prends le parasol. Je veux servir à quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Attention. Moi, ouais, maman, je peux arrêter là. Je suis quand même. Il a des magies. Oui, maman. Bon, on a bien travaillé, mon petit chat. Mais là, il commence à faire nuit. Mettre des chaussettes, me mettre en pyjama et travailler son piano. Pauvre bébé. Qu'on regarde, Titi. Tu vas pas pleurer, hein. Oui, c'est échoué à 2h30 du matin, le 15 avril 1912. Vous avez confiance en moi? J'ai confiance en vous. Chérie, maintenant vous pouvez nous enfermer tous les deux dans votre coffre, Rose.